Donc on se retrouve dans ce nouveau studio vlog qui arrive assez tard. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné, que je ne m'étais pas filmée. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir ce mois-ci à dessiner et à créer la collection d'automne. Donc on fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous la présenter. Taking a ride to join a lane 눈치 보면서 들어가야 할 때를 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 흐린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한 편의 동화를 썼음 해 풍선을 타고 난 날아올라 Donc là, je suis en train de préparer les illustrations pour les box de niveau 3 sur Patreon. Donc j'ai prévu cette illustration A5 ainsi que deux stickers ce mois-ci. Donc je pense que ça pourra changer suivant les mois. Donc soit deux stickers, soit une planche de stickers, on verra ça. Je compte vous faire une autre vidéo YouTube dans laquelle je vous expliquerai les différents niveaux et en quoi consiste la plateforme Patreon. Thank you.
Donc, ce qui s'est passé pour ces carnets, c'est qu'au moment de l'impression des illustrations, donc je voulais imprimer sur du papier mat en A5, je me suis rendu compte que ça avait imprimé sur du papier à stickers. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de les jeter. Qu'est-ce que je vais en faire ? Et je me suis rappelé que j'avais en stock ces carnets A5, que je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit, je vais mettre du papier holographique pour protéger la couverture. Derrière, j'ai mis ce stickers là, qui est holographique aussi. Et donc à l'intérieur, vous avez des lignes avec en haut, ce sont les jours de la semaine. Et vous pouvez donc écrire, vous en servir en bullet journal, un petit peu en tout ce que vous voulez. Et donc pour l'instant, j'en ai deux. Donc je verrai si jamais je refais un réassort, si ça plaît. Mais je suis vraiment contente, ça m'évite de jeter. Et ça me fait en plus utiliser ces carnets que j'avais en stock. Donc là, ce matin, je me suis vraiment occupée de faire tous les stocks, de juste tester rien qu'en stickers ce que ça donnait. Donc je vous ai montré celui-là, je vous ai montré les planches et cette chouette-là. Et les cahiers. Donc maintenant, on va passer au freebies. Donc le freebies, c'est le sticker qui sera dans toutes les commandes en cadeau. Donc il s'agit de celui-ci. Ensuite, nous avons ce sticker-là que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit gris noir. Ensuite, ce sticker-là avec le mortier, une petite potion et des fleurs. Et ce sticker-là avec la chouette. Donc j'ai prévu de faire une petite box d'Halloween, donc pour l'instant vous ne saurez pas de quoi elle est composée, c'est un petit secret. Et donc ce que vous avez vu donc en réception tout à l'heure, j'ai reçu ces petites herbes et en fait je vais en faire des fioles d'intention. Donc les fioles d'intention, je vais me concentrer moi sur l'amour de soi, donc ce sera avec de la rose. J'ai aussi des pierres, donc j'ai la rose quartz et je vais aussi du coup mettre tout ça dans une petite fiole que vous verrez bientôt. Je sais pas si je vais filmer la préparation, je pense, on va voir ce que ça donne, faut que je fasse des tests avant. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on voit la différence, là j'ai réimprimé sur mon papier à illustration. Donc voilà, cette fois-ci il n'y a plus de loupé. Enfin finalement un loupé qui a été inversé, hein, mais donc il y aura cette illustration là. Je les ai imprimées en A5. Du coup elles sont aussi ici. Et l'illustration par contre des Patreons, du coup, est bien réservée aux Patreons. Voilà. Enfin, je vais vous présenter aussi les cartes les cartes de remerciement. Donc de base je voulais faire un petit dessin pour les cartes de remerciement et j'ai fini avec ça, que j'aime beaucoup. Donc ça va partir en illustration. Et pour les cartes de remerciement, du coup je les ai découpées en fait. Donc ce qui se passe c'est que j'ai fait une herbe pour chaque carte. Donc comme ça change, vous avez dessus la symbolique et les propriétés. Donc ça m'a aussi donné une autre idée de projet un peu plus gros. Je vous en parlerai plus tard quand j'aurai un petit peu plus travaillé dessus. Donc voilà. Donc il y aura aussi cette illustration là de disponible que j'aime beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Et donc les cartes de remerciement. Donc je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis déjà en train de travailler sur le montage de la vidéo. Et j'ai là-bas, du coup, ici, mon stock. Donc, je vais bientôt mettre en fiche les fiches produits en ligne. Donc, je vais bientôt mettre en ligne tout ça. Je pense que la vidéo sortira au moment de la sortie de la collection. Donc, je croise les doigts fort, fort, fort qu'elle vous plaise. Bonne fin de journée.